Bonsoir, c'est déjà le sixième webinaire du programme ISEGUP cette année. On rappelle, c'est un programme organisé pour les anciens étudiants du groupe ISEG pour revenir les insérer le plus efficacement possible auprès de grands professeurs marketing, revenir sur des problèmes conjoncturels, structurels ou stratégiques. Ce soir, pour ce webinaire, nous avons, on peut le dire, le mot n'est pas galvaudé, une star. Vous la connaissez toutes, elle vient nous parler de l'avenir de la filière communication. Era, c'est la fondatrice et présidente de BETC, la présidente exécutive d'Avast Worldwide. Elle est très présente dans les médias, on va parler parce qu'elle a une actualité ce soir. Bonsoir. Écoutez, j'espère qu'on vous entend bien. Vous êtes en direct de Barcelone? Oui, absolument. Bon, tout se passe bien pour l'instant, donc on va parler de votre actualité, puisqu'il y a trois semaines de ça, elle a fait une tribune qui a fait beaucoup parler d'elle sur le problème aujourd'hui de la publicité et cible de militants radicalisés de plus en plus. C'est ce que vous nous parlez de la tribune que vous avez fait paraître et dont tout le monde parle depuis trois semaines à moi dans le milieu de la publicité. On a fait une tribune avec entre la filière, on s'est mis d'accord avec la filière et l'union des marques. Ça, c'est un moment très important parce qu'on avait plus de mal à travailler ensemble. On a réussi à travailler ensemble. L'année dernière par un coup de gueule en expliquant qu'on avait des problèmes dans la gestion et dans le lien avec nos annonceurs. On les a toujours d'ailleurs, c'est difficile aujourd'hui pour les agences de communication de bien gagner sa vie et puis surtout de mettre la publicité au bon niveau parce que je pense que la publicité c'est quelque chose de très important donc il faut la mettre au niveau adéquat. Et suite à ça, ça s'était passé plus ou moins en juillet, et suite à ça on parlait des états généraux, j'avais proposé des états généraux. Ça nous a permis une chose importante, les états généraux, et grâce à l'ouverture de l'Union des marques, avec Franck Gervais comme patron, de travailler ensemble. Et donc ce travail, cette tribune que vous avez vue, que nous avons coécrite, c'est une tribune pour dire de façon simple qu'on entend beaucoup parler de choses interdites. Quand on parle d'écologie, on se retourne sur la publicité et que je pense qu'avant de faire tout ça, il faut un vrai dialogue avec les gens de la communication qui, à l'envers de ce qu'on imagine, sont extrêmement soucieux aussi d'écologie et très positifs autour de ça et qu'on croit moins aux choses qui sont simplement des interdictions plutôt qu'à la notion de mettre en avant, pousser les fonctions écologiques. Et cette tribune, elle essayait de raconter en termes simples l'importance de la communication pour aider le monde à bouger. Et alors, voilà. Justement, est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi dans les années 70, 80, 90, tout le monde adorait la pub, et on a l'impression qu'aujourd'hui, la pub, effectivement, c'est le vilain petit canard. Dès qu'il y a un problème, on dit c'est de la faute de la publicité, c'est une catastrophe, ils nous prennent pour des imbéciles, etc. On a l'impression qu'il y a une sorte de désamour entre le grand public et la publicité. Vous l'expliquez comment ? Parce que j'ai l'impression que ça fait des années que, d'abord, les Français, plus que les Français, le monde politique ne comprend pas toujours la pub. Les Français ne comprennent pas très bien la pub, même si ils réagissent à la pub, parce que lorsqu'on ne fait pas de pub, on ne vend pas. Donc ça prouve que, quoi qu'ils disent, ils réagissent fortement à la pub. Ou même lorsqu'on veut modifier des comportements, on sait à quel point la publicité est importante. Mais en tout cas, ce n'est pas énoncé en France. Vous savez qu'en France, c'est un pays où l'économie, le lien de la France à l'économie, le lien de la France à la réussite, le lien de la France à l'entreprise, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est compliqué depuis très longtemps. Donc, je pense qu'on a été moins agressif sur la pub parce qu'on est agressif aujourd'hui sur la société de consommation et qu'on relie la consommation à la pub, ça c'est ils ont raison d'ailleurs, hein. Il y a un lien entre la publicité et la consommation.
Après, on a beaucoup de clichés dans cette histoire, y compris des clichés autour de la consommation, parce que on va pas vers un monde où on va dire non à la consommation. On Évidemment. dit des choses, par exemple, on dit que les crises, la mondialisation a amené beaucoup de choses négatives, mais on ne dit pas non plus de la vérité, à savoir qu'il y a moins de pauvres qu'il n'y avait à une période, on se nourrit mieux, quoi que disent les gens. Donc on parle beaucoup sans fait réel, beaucoup par compréhension, et je pense que le monde politique n'est pas la compréhension du lien publicité-économie. Moi, ma Alors, vous difficulté, pensez... elle est simple, hein, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va passer cette crise, parce qu'on a une crise, ça vous le savez, et combien c'est difficile, et comment on va passer au-delà de ça si on ne travaille pas avec la communication, je pense que Oui. c'est difficile. Une reprise sans communication, je trouve ça difficile. Vous ne pensez pas que le milieu de la publicité a un devoir de pédagogie vis-à-vis du consommateur, leur expliquer que quand on fait de la pub, je ne sais pas, pour une boisson, quelque part, ça aide aussi la scène culturelle, puisque les médias chargés de parler de la scène culturelle vivent par des pubs pour des boissons, du maquillage. Est-ce qu'il n'y a pas ce travail, justement, de pédagogie à faire? Pour être honnête, je pense qu'il y a moins de travail de pédagogie à faire. Je ne sais pas s'il faut faire. Vous voyez, la pédagogie, elle commence par l'école. Et si vous voyez les cours d'économie de l'école, parfois vous êtes un peu inquiet. Enfin, moi, je suis très inquiet. Je pense qu'il faudrait modifier l'école pour expliquer le rôle de ceci. On fait des choses. On apprend aux enfants en France des choses assez incroyables. Et en particulier le non-respect de l'économie. Parce que, enfin, moi, je crois que beaucoup de gens le savent, je suis socialiste, mais pas communiste, quoi. Donc, je suis dans un monde libéral où je ne sais pas faire sans publicité. Je pense que tout ça n'est pas expliqué pédagogiquement aux enfants. Là où nous, on a un enjeu, c'est que. Au grand public, finalement, on n'explique pas, mais il n'a pas un rejet de publicité. S'il avait un rejet de publicité, ça signifierait qu'en l'occurrence, quand on fait de la publicité, il n'achète pas. Ce n'est pas du tout le cas. Il a apprécié, par exemple, ce grand public a apprécié fortement la communication qui a été faite à l'époque du Covid. Ça a été très favorable, très positif. Les entreprises, nous avons des études très précises qui montrent que les entreprises qui ont été communiquées ont été valorisées. Donc, en fait, notre plus grand souci, moi, je dirais qu'il faut que là où probablement on n'est pas très doué, et il va falloir passer du temps à devenir un peu plus doué, c'est qu'on n'a pas expliqué au monde politique cette importance-là. Ronde politique. Qu'il faut qu'on exprime un peu mieux aux parlementaires, à tous ceux qui nous entourent et qui font les lois, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pub, quoi. Alors justement, vous, votre combat, c'est comment assainir les moyens de rémunération des agences. En gros, c'est un de vos combats. Comment on Ce n'est fait en pas tant que mon seul socialiste? combat. Non, mais c'est un... Bon, comment on Ben, fait en tant que socialiste? l'argent, c'est un sujet très important, vous avez Oui. raison, Mathieu. Ben oui. Parce que on compte de la valorisation au nom du métier. Ben, par exemple, on Et m'expliquait moi, je pense que. Les Allez-y, étudiants qui nous Mathieu, regardent, on pardon. va leur expliquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut remporter une campagne, on a un appel d'offres. Vous pouvez avoir, ça s'appelle une compétition, vous pouvez avoir 15 agences dessus, vous pouvez travailler pendant des mois et vous pouvez très bien ne pas du tout être rémunéré si vous ne remportez pas la compétition. Un de vos combats, je disais, c'est faire en sorte qu'on puisse rétribuer des gens qui participent à ces compètes. C'est un vrai problème. Mais en fait, vous avez raison, il y a un enjeu global autour de ça. C'est très, très important. C'est un enjeu de reconnaître l'effet de levier de ce métier. Et comment, d'abord, c'est un métier extrêmement difficile. Il faut le dire à vos étudiants, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est extrêmement difficile de trouver les leviers. Et donc, ça demande beaucoup d'intelligence collective de beaucoup de gens. Et quand on regarde un tout petit peu comment on est payé par rapport à des consultants, on n'est pas payé correctement.
Et donc, en effet, vous avez raison, dans les pitchs, c'est-à-dire les compétitions qui sont organisées, comment ça se fait que les gens nous font travailler sans nous rémunérer? Ça, je pense que ce n'est pas correct. Et du coup, vous pouvez faire travailler la terre entière. C'est sympa, vous avez plein d'idées, plein de données, mais tout ça dévalorise formidablement le métier. Donc, je pense en effet qu'il faut qu'on explique mieux que c'est un métier complexe, que c'est un métier qui exige une collectivité de gens à la recherche d'une idée de levier, à la fois stratégique, à la fois créatif, à la fois production, donc qui implique beaucoup de gens très différents, et que ça demande une juste rémunération si on veut attirer les meilleurs, si on veut que nos jeunes soient payés correctement. Il faut se battre pour cela. Avec le recul et en tant que socialiste, la loi Sapin, la loi Sapin que les Bah étudiants sont peut-être trop jeunes. non, moi, je suis une fille de la crise, donc moi, j'ai toujours vécu avec la loi Sapin. Donc, il y a des pays qui ne l'ont pas. Alors rappelons aux gens qui nous regardent ce que c'est, parce Bah en qu'ils sont fait, peut-être trop jeunes. autrefois, et d'ailleurs, tout le monde était au courant, donc il ne faut pas que les annonceurs poussent des cris d'orfraie, parce que ce n'est pas vrai, tout le monde savait. En gros, on payait une agence, le client payait son agence, et les médias redonnaient de l'argent lorsqu'il y avait des recommandations médias, je ne sais pas, qui préconisaient la pub à la télé ou la pub dans la presse, il y avait un retour. En fait, c'était très connu et connu évidemment de nos annonceurs qui payaient moins du coup. C'était pas, on n'était pas chez les coquins. Et d'ailleurs, ce système-là est un système qui existe encore dans beaucoup de pays. En fait, la loi Sapin, elle a amené quelque chose que je trouve bien. Moi, personnellement, je préfère, c'est-à-dire qu'on soit payé et uniquement payé par nos annonceurs, de façon directe et qu'on n'ait pas un retour d'argent par les médias, ce que je trouve plutôt très bien. Euh, mais, mais Mais du coup, les annonceurs n'ont pas payé assez. voilà, Parce c'est que, voilà, et ça a été une des fragilités de cette loi Sapin, c'est que en fait, ça ne permettait pas de faire comprendre le prix du métier. Avant la loi Sapin, on ne comprenait pas le prix du métier parce qu'on ne le payait pas totalement. Donc moi, j'aime bien Sapin. J'aime bien qu'on prenne, là, on bouge, hein, je bouge et du coup, on ne comprend rien. Si, 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 ça Voilà. va. Ah. Ça va? Bon. Oui. Là, on essaye de payer exactement ce que fait le métier. Et ça, je trouve ça plutôt mieux. Maintenant, on a du rattrapage à faire. Oui. Parce Alors, que ce au-delà que nous faisons dans ce métier, c'est très cher. Les idées, c'est très cher. Et on n'est pas payé pour cette brillance des idées. Alors justement, on ne va pas parler que d'argent, hein, on va parler vraiment de la manière dont l'avenir de la communication est possible. J'ai une question qui peut paraître bête, mais est-ce que la ménagère, ça existe encore? Ben oui. Il n'y a que Oui? moi qui dis oui, mais bien sûr, parce que Ah, je ne vous entends plus. Oui, là, je oui, vous ça entends. existe encore parce que c'est les dames qui font les listes de courses. Donc, cher, moi, j'adore l'idée qu'elles vont disparaître, mais obstinément, les femmes continuent à faire le ménage, à faire la liste des courses. Les hommes mettent un peu plus la main à la pâte. Mais ça reste très dicté par les femmes. Donc, ça s'appelle une ménagère. Sauf qu'on sait qu'une ménagère qui, enfin chargée, on va dire, des achats, on dit d'ailleurs chargée d'achat maintenant, qui habite dans le 8e et qui a deux enfants avec un mari, c'est pas la même personne qui habite dans la Creuse, qui a six enfants et qui a pas de boulot. Vous voyez, donc bon, Oui, bien c'est. sûr, mais en fait, on continue quand on veut vendre certaines choses à avoir intérêt à utiliser des grands médias comme la télévision. Pour l'alimentaire, on n'a jamais trouvé mieux, hein. Alors Parce que justement. pour une raison simple, c'est que d'abord, vous arrivez à cibler avec la télévision.
Et deuxièmement, parce que c'est Procter qui un jour a dit, à force de cibler très de façon d'adresser des problèmes les uns après les autres, vous compliquez la chose et vous n'arrivez jamais à avoir la couverture suffisante. Et d'ailleurs, les gens du digital, les grands du digital l'ont très bien compris, puisqu'aujourd'hui, ce sont eux qui dépensent le plus d'argent en télé. Hein, si on prend des Apple, des Amazon, ils trouvent que la télé, c'est formidable. Alors justement, ça fait une bonne transition, j'allais vous demander, les gens qui pensent que tout est digital aujourd'hui, vous leur dites quoi ? Ben, je leur dis que beaucoup de choses sont digitales, que le digital, ça a inventé une façon de communiquer qui n'a plus rien à voir entre nous, entre les humains. Maintenant, pour la publicité, tout n'est pas digital, non. En tout cas, dans nos pays, tout n'est pas, dans toute l'Europe, tout n'est pas digital. Parce qu'en fait, pour construire une marque, hein, il faut une couverture à un moment donné. C'est-à-dire, il ne faut pas que je vous adresse, vous Mathieu, et que je vous dise, voilà, on va construire tous les deux une marque. Il faut que tout le monde soit d'accord pour penser que Evian, c'est des petits bébés dans l'eau, que Air France, c'est faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Et c'est le regard commun, c'est la culture commune. Donc, il faut trouver des moyens pour créer cette culture commune. En général, le digital est meilleur pour adresser un problème de quelqu'un, le problème d'une personne, que pour ce type de volonté de couverture. Mais voilà. Mais le digital a changé énormément de choses, bien sûr. Bon, ce qui veut dire qu'il y a quand même une suprématie de la campagne type affichage plus télé. Ça dépend du sujet, mais en général, oui, les affiches sont quelque chose d'exceptionnel en termes de retour sur investissement. Quand le digital est arrivé, on a fait semblant de croire qu'avec le digital, on avait une analyse de retour sur investissement bien plus forte. Mais ça faisait des années qu'on avait une analyse de retour sur investissement sur la télé, sur tout. C'est pas venu d'hier. Nos clients, ils enlevaient. Moi, je me souviens de Procter. Vous faisiez une semaine de campagne à la télé. Si le film ne marchait pas, il était enlevé tout de suite. Donc, l'analyse de retour sur investissement, alors, c'était immédiat. Et il faut des produits à rotation forte hein, pour ça. Vous croyez encore à une révolution possible sur l'affichage. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Berville qui a créé le teaser en affiche. Demain, j'enlève le bas, j'enlève le haut, etc. Bon, que les jeunes connaissent peut-être parce qu'ils apprennent en cours. Est-ce qu'on peut encore avoir de l'avant-garde et une révolution dans l'affichage ou est-ce que c'est efficace, mais bon, c'est un peu sclérosé visuellement ? Non, c'est pas sclérosé parce qu'il n'y a rien. C'est comme si on dit la télé ou le digital, c'est sclérosé parce que c'est très ennuyeux en digital quand vous voyez un petit bout là apparaître. C'est pas sclérosé, vous savez, tout dépend du contenu. Le plus important, c'est les idées, donc c'est jamais sclérosé. Une affiche, une grande affiche, c'est une grande affiche. Un grand film, c'est quelqu'un qui a une idée forte. C'est tellement rare, les idées fortes. C'est pas sclérosé, c'est fatigant à trouver. Et puis surtout, une idée forte en pub, c'est une idée qui fait bouger les gens. Donc, c'est une idée incroyable. Non, il n'y a rien. Le digital, même le digital, il est pas, rien n'est sclérosé. Vous pouvez ennuyer tout le monde. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que vous pouvez rater tout avec le même argent ou tout réussir. Hein, ce n'est pas une question d'argent, évidemment. Il faut pouvoir investir. Mais si vous investissez sur une idée qui est mauvaise, vos résultats, ils sont mauvais. Et si vous investissez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur une idée mauvaise, les résultats sont toujours mauvais. Et ça, j'adore ça. Vous avez l'air d'être cliente de la publicité sur quelque chose quand une idée est bonne, même si ce n'est pas vous qui êtes à la base du truc, vous êtes bluffé, ça vous fait plaisir. En revanche, j'imagine que quand beaucoup d'argent est mis sur un mauvais projet, vous vous dites « Ah, j'aurais pu faire mieux, c'est dommage ». Vous êtes toujours cliente, quoi, passionnée. Je suis passionnée et puis je suis humble. C'est-à-dire, je pense que c'est très dur de trouver la très bonne idée. Alors on a vraiment des mettre un collectif très brillant pour trouver une très bonne idée. Après, ça peut venir d'une petite agence, une moyenne agence, une grande agence, etc. Mais c'est difficile de trouver une très belle idée.
Alors, on a plusieurs questions. Plusieurs questions. Une question de Marie qui demande quel impact de la crise du Covid-19 sur la filière et quel enseignement en tirez-vous ? Bah, l'impact sur la filière, il est très grave, hein, et très grand. Il est surtout économique, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire, pendant le Covid, il y a des clients qui ne nous ont pas payés. On a un impact sur la filière financier, économique, extrêmement lourd, extrêmement fort. Donc, premièrement, donc ça c'est, et je pense qu'on ne se rend pas compte, mais cette crise économique ne fait que commencer. Et en fait, nous accompagnons des clients qui sont vraiment à l'arrêt. Donc, moi, je suis inquiète sur le chômage général, sur l'économie en général. C'est pour ça que je pense qu'on est en train de complexifier aujourd'hui par des règles, alors qu'il faudrait tous être très solidaires pour se sortir de cette crise et faire en sorte que l'écologie humaine compte aussi. Hein, c'est-à-dire, moi, je suis très sensible à la pauvreté, à la montée de la pauvreté, à des choses de cet ordre-là. Même si j'aime la planète et la planète est importante, je crois que j'aime encore mieux les humains. Alors on a beaucoup de questions. On a une question de Philippe qui demande « Ma com digitale est-elle créative ou est-ce que cela se limite à la gestion de la data ? Quelle voie prendre aux besoins de demain ?» Non, là, ça peut être très créatif parce que la gestion de la data se doit d'être créative. C'est-à-dire que vous avez plein de data qui ne servent strictement à rien parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'être un levier. C'est-à-dire, on sait beaucoup de choses sur plein de gens et alors on s'en fiche. Ce qu'il faut trouver, c'est la data intelligente. J'ai un exemple que j'adore qui est une histoire de chat incroyable où on avait toutes les data des chats et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi des gens achetaient de la nourriture de chat très chère et des gens achetaient de la nourriture de chat pas chère. Et impossible de. On essayait, on faisait des liens, on essayait avec des algorithmes de comprendre ce genre de choses, et puis on ne comprenait rien. Et un jour, il y a un type qui a une idée, qui a dit : est-ce que quelqu'un a regardé les prénoms des chats ? Alors, on a regardé les prénoms des chats. On s'est aperçu qu'il y avait deux grands types de prénoms de chats. Des gens qui nommaient leur chat par un prénom de chat, chaton, frisquet, enfin tout ce qu'on veut qui dit chat. Et puis des gens qui nommaient des chats de prénoms humains. Jean-Paul, Jean-Claude, le chat s'appelait Mon Amour, etc. Et on s'est rendu compte que ça, c'était une variable explicative. C'est-à-dire que si le chat commençait à remplacer un être humain, ce qui est dans les solitudes de gens souvent net, c'était pas une question de « j'ai de l'argent ou pas », vous nourrissiez votre chat comme un humain. Et vous voyez, la data, c'est l'intelligence, là, elle est créative. Donc, la data, elle se doit d'être créative. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les data scientists créatifs. Oui, c'est-à-dire qu'on ne doit pas enlever l'humain sous prétexte que c'est du digital, quoi. C'est ça, c'est les jusqu'au boutistes qui ont tort. Le digital, ça demande beaucoup d'intelligence. Les data demandent beaucoup d'intelligence et beaucoup d'analyse. Le marketing, c'est de l'analyse de l'humain. C'est de l'analyse des intuitions humaines, de ce qui se passe dans la tête des êtres humains. Beaucoup de questions. Benjamin demande, que pense Madame Héra du déploiement prochain de la pub télé segmentée ? Je pense que c'est complémentaire, qu'ils ont raison de le faire. Il faudra toujours faire attention à ce que la segmentation ne soit pas... un lieu de surcomplexité. Il faut comprendre les segmentations, c'est-à-dire les segmentations vraiment explicatives de comportements différents. Et là, on va retourner à la problématique des data et à ces enjeux de bien comprendre ce qui est utile de faire. C'est pour ça que Procter, à une époque, s'était énervé, parce que finalement, quand ils avaient fini de faire ces analyses, quand ils ne les faisaient pas, ça marchait aussi bien. Parce que l'être humain, les êtres humains, ils sont proches, beaucoup plus proches qu'on imagine. Donc, vous n'avez pas
Vous essayez d'adresser les différents points de vue, mais vous finissez quand même par des choses qui les réunissent, les gens, pas qui les séparent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui m'a dérangé, c'est quand on dit que quelque chose marche, mais que dans tel secteur de la population et pas du tout ailleurs. J'ai toujours l'impression que quand quelque chose est bien, il n'y a aucune raison pour que ça marche que dans un domaine particulier. Oui, moi non plus, parce que les grands films, ça marche auprès de tout le monde. Ouais. L'intelligence, c'est mieux quand c'est intelligent que quand c'est bête. C'est mieux quand il y a du talent que quand il n'y en a pas. Moi, j'ai un respect énorme pour le public. Et je pense qu'on peut toucher le public par des choses intéressantes et qu'il faut les tirer. Il faut tirer vers le haut et pas tirer vers le bas. Et je suis comme vous, j'ai un doute. Alors, ça dépend des produits. Il y a des produits qui sont très segmentants, mais il y a des produits qui ne le sont pas. Vous faites une campagne pour un pot de Nutella, pour des petits gâteaux lus, etc. Alors, il y a une limite à la segmentation. Alors, justement, j'ai l'impression que vous avez plus de limites, vous, à la segmentation, que les programmateurs télé, qui, eux, pensent que tout est segmentant. En gros, la télé est très conservatrice, j'ai l'impression. Plus que non, finalement, mais en tout cas, on ne l'utilise pas comme ça pour le moment, la télé. On l'utilise parce qu'elle arrive à toucher une grande partie de la population qui a tel et tel levier. Et voilà, c'est en tout cas un grand succès en général. Vous avez besoin de plein de gens qui adhèrent. Pour construire une marque, vous avez besoin de beaucoup de gens. Alors, on a une question de Thews qui demande « Qu'est-ce que vous pensez de la programmatique ?» Ben, j'en pense, c'est pareil, je pense que c'est intéressant, c'est complémentaire pour moi. C'est très complémentaire par rapport au lien à la fois de volonté de couverture et à la fois de volonté de précision. Et après, ce n'est pas les mêmes arguments qui sont énoncés. Après, moi, je crois beaucoup au programme de nos têtes. C'est-à-dire que je crois à l'intelligence, quoi. Moi, j'ai toujours fait les succès que j'ai faits, c'est parce que tout d'un coup, j'ai compris quelque chose dans l'humain. Ouais. Et les échecs que j'ai faits, c'est parce que tout d'un coup, je n'avais pas compris quelque chose. Oui, en fait, c'est comme l'ordinateur dans 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Bah, c'est l'ordinateur, pas lui, voilà. J'avais été assez bluffé par un des grands Français, d'ailleurs, qui travaillait sur Samsung et qui avait dit « Ce qui a changé dans les ordinateurs, c'est qu'on peut traiter plus de données. » Mais c'est ce qui a changé dans les ordinateurs. Donc, vous avez plus de données, vous pouvez traiter davantage. Ça, c'est formidable, mais... À la base, il y a quand même un humain. Il y a Frédéric qui demande, à propos de trouver la bonne idée, ce qu'on disait tout à l'heure, mettez-vous en place des ateliers ou formations pour aider vos équipes à développer leur créativité. Oui, parce que ce n'est pas une créativité sauvage. En fait, nous, on n'est pas des artistes. Sinon, on ferait notre métier. C'est-à-dire, on va utiliser de l'artistique, mais on n'est pas des artistes. On est des gens qui, d'abord, notre grande différence dans nos métiers, c'est qu'on arrive à analyser les leviers qui font bouger les gens. Donc, en fait, notre métier est un métier de science humaine. Donc, en règle générale, les marques qui réussissent sont les marques qui ont touché quelque chose de l'âme humaine. Ben, pour ça, il faut passer du temps à comprendre l'âme humaine. L'âme humaine, elle n'est pas invariable. Elle bouge, elle évolue, etc. Donc, oui, on a d'abord, on aide nos équipes. On a un programme qui s'appelle Never Stop Learning. Et donc, oui, on passe plus de temps à expliquer à nos équipes, d'abord à leur donner des données, c'est-à-dire où sont les gens, dans quel état ils sont, pourquoi ils s'énervent, pourquoi ils ne s'énervent pas. Parce que, vous savez, on fait un métier de persuasion. Donc, un métier de persuasion, il faut que vous sachiez où est l'autre. C'est-à-dire, c'est pas en lui tapant sur la tête avec une idée. C'est en comprenant c'est quoi ses enjeux par rapport à tel ou tel sujet, c'est quoi ses enjeux dans la vie. Et moi, je dis toujours, attendez, c'est quand même pas aux gens de venir à vous, c'est aux marques d'aller aux gens. Alors, vous savez, quand les marques arrivent chez moi, en général, elles connaissent assez bien leur marque
elles connaissent un peu moins les gens. Et je pense que le grand chemin à faire, c'est les sciences humaines qui nous apprennent tant sur les gens, et ça, c'est formidable. Alors justement, on a une question de Philippe, c'est un peu lié, qui demande, que pensez-vous de la phrase « La culture générale permet d'apporter des réponses créatives les plus performantes ?» J'adore. Ben oui. J'adore. Je pense même que c'est la meilleure des formations. En fait, ce qu'il faut quand les gens rentrent dans les agences, c'est qu'ils aient développé l'esprit d'intelligence. Et ça, c'est toujours compliqué. Hein. On apprend à raisonner, hein, parce qu'on croit que raisonner, c'est n'importe quoi. Ben non, il n'y a pas que les maths qui sont rigoureux, il y a les lettres qui sont très rigoureuses. Et raisonner, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, apprendre à raisonner, à bâtir un discours, à construire, à ne pas être contradictoire. Et c'est même étrange. Parfois, les matheux, je me dis, mais c'est bizarre, ils ont un grain dans la tête, là. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, la même structuration. Donc, il y a des rigueurs différentes que je respecte toutes, mais il faut respecter la rigueur des sciences humaines, parce qu'elle existe et elle est très importante. Vous n'avez pas peur que ces sciences humaines disparaissent peu à peu de l'enseignement aujourd'hui? On sait que ça arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a quasiment plus du tout de sciences humaines dans le cursus de faculté de toutes les élites. Ça a disparu. Vous n'avez pas peur de ça en France? Non, je n'ai pas peur parce que je pense que ça mène le monde. Ah. Non, et d'ailleurs, ils adorent engager des Français. Et je pense qu'un des trucs des Français par rapport... Vous voyez, moi, je connais très bien les agences américaines, etc. Et ce qu'ils trouvent dans les Français, c'est qu'il y a une vision générale. C'est-à-dire on silote pas tout. On n'est pas le spécialiste du schtroumpf numéro 3, etc. Alors, les Américains ont des qualités exceptionnelles, mais nous, on pense large. Et je pense que c'est lié... Il y a des choses qu'on fait pas mal en France, en particulier cet apprentissage des sciences humaines qu'il ne faut pas lâcher. Très bien. Bah, je donne des cours de pop culture à l'ISSEC, j'espère que mes élèves sont là ce soir. Alors, il y a une question d'Antoine qui demande « Comment peut-on changer les mentalités des Français concernant les enjeux environnementaux via la publicité ?» Les Français, d'abord, sont déjà acquis, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Nos chiffres, là, ils sont très, très clairs. Hein. Les Français sont acquis à l'environnement, au problème de la planète, etc. Après, ils n'ont pas que ça comme problème dans la vie. Ils ont aussi des problèmes économiques. Donc, c'est plus compliqué si on leur demande de payer tout plus cher, quoi. Et surtout quand ils n'ont pas d'argent. C'est pour ça qu'en ce moment, le thème qui monte le plus, c'est le thème chez les gens du pouvoir d'achat. Parce que c'est compliqué dans leur vie. Mais sinon, l'écologie, ils sont persuadés qu'il faut faire quelque chose. Après, il faut leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, hein, parce que, et comment ils le font. Mais ils ne sont pas du tout... on a quand même une population très écologiste. Après, l'écologie, à quel prix... Tout le monde est pour l'écologie. Après, la question, c'est de savoir... est-ce qu'on prend les bonnes décisions pour l'écologie ou est-ce qu'on prend les mauvaises décisions? Et dans ces décisions, est-ce qu'on n'oublie pas la donne humaine, qui est pour moi une donne très importante, à savoir les niveaux de propriété, de pauvreté, l'ascenseur social. En France, il y a une panne de l'ascenseur social. C'est plutôt ça qui met les gens en énervement que les problèmes écologiques aujourd'hui. Les gens s'agacent plus sur le fait qu'on n'arrive plus à trouver un job quand on vient de certains univers et certains milieux. C'est plus des choses comme ça qui comptent aussi pour les gens. Mais n'ayez aucun doute, les Français sont écologiques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Rappelons quand même que la France n'est pas le pays le moins vert du monde, hein, loin de là. Non, ça va, et puis honnêtement, ils sont tous d'accord. Après, ils ont même des a priori un peu... tout ça est un peu discutable. Vous voyez, quand on dit... quand on fait le pétrole et qu'on dit, ben, ils vont finalement, puisque le pétrole fait du mal, ils vont payer une taxe. Ben non, ce n'est pas possible. Parce que les gens dans la campagne, eh ben, ils vont travailler avec une voiture et ils n'ont pas l'argent. Et donc, si on trouve une solution réelle, on la prend. Mais du coup, quand on est surnégatif avec un total, on a sûrement tort. Je pense qu'il faut réfléchir aux périodes de transition. Ça va être quoi la transition pour emmener tout le monde ?
Vous n'avez jamais eu envie de vous lancer en politique? Non. Vous pourriez. Je pense que je fais de la politique à ma façon, c'est-à-dire en liberté. Je ne suis pas très obéissante. Ah. Voilà, donc je ne voulais pas être ministre. Et je m'occupe des sujets qui comptent pour moi, qui sont d'abord mon métier. Mon métier compte. Mais aussi les femmes, mais aussi l'immigration. Je m'occupe du musée de l'immigration, c'est très important pour moi, de la diversité. Et j'ai l'impression que ma parole est libre. Et que. Et donc, plus écoutée. Ouais, voilà. Bah, c'est pas si mal. Et ouais. Je crois beaucoup au fait que dans le civil, finalement, dans le privé, il y a trop de séparation et de schisme entre privé et public. Voilà, je pense que on doit être politique. Et mon inquiétude sur les jeunes, parfois, c'est qu'ils ne sont pas assez politiques. Qu'il faut être politique. On a une question de Gaëtan, il faut qu'on passe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, qui demandent: que pensez-vous de la réalité augmentée sur de l'affichage? Est-ce que c'est trop tôt pour la France? Oh là, je ne sais pas. Non, je pense que ce n'est pas trop tôt pour la France. Maintenant, j'adore tellement les affiches que est-ce que j'ai besoin de la réalité augmentée? Je ne sais pas. Mais j'en sais rien. J'en sais rien, en fait. C'est tellement magnifique, l'intelligence d'une affiche, que plus elle est sobre, plus... Si elle est bonne, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, quoi. Voilà. Voilà, j'aime pas trop de zinzouin. Voilà. Quand... je sais pas, quand vous faites une campagne petit bateau avec un enfant qui a, pour expliquer que maintenant petit bateau fait des vêtements pour grands, un enfant qui tient. Ah, on a été coupé. J'ai plus Mercedes là. Donc, je vais meubler en chantant une chanson. Ah, elle a dû avoir un appel, peut-être. Mercedes, est-ce que vous nous entendez? Je peux passer un disque, j'ai plein de vinyles la dernière mois, mais bon. Coup de fil. Ah, voilà. Je suis revenu. Donc, dans l'affichage, en fait, c'est le plus dur, c'est de faire simple. Oui, parce que c'est magnifique une affiche. Rémi, mon associé, Babinet, me dit toujours oh, « il y a trop de mots, il y a trop de ci, il y a trop… » Une affiche plus… Quand vous faites, il y a très longtemps, le M du métro, et voilà ce que je dis à la pollution, ben voilà, c'est magnifique, c'est simple. Donc, il y a eu de très grandes… Berville, c'était le roi de plein d'affiches… Comme on aime toujours, quoi. Donc ouais. Oui, je pense que... Moi, j'adore parce que... Vous voyez, par exemple, le musée de l'immigration, quand on a repris le musée, quand j'étais présidente du conseil d'administration, on m'a dit, il n'y a rien qui marche. Je lui ai dit, évidemment, ça ne marche pas parce que personne n'est au courant qu'on fait quelque chose. En plus, on s'appelait à l'époque Cité de l'immigration. Donc, les gens, ils pensaient qu'on remettait des récépissés. Donc, je leur disais, il n'y a aucune chance que quelqu'un vienne voir des expos. Donc, on a fait des affiches d'expos, on a lancé des choses très simples du type, on a expliqué qu'un Français sur quatre était issu de l'immigration. C'est simple, un Français sur quatre est issu de l'immigration. Mais tout d'un coup, on regarde l'immigration de façon différente. On se dit, on ne va peut-être pas tous les mettre dehors tout de suite. Alors en fait, la réalité, c'est que depuis le temps que je suis au musée, on a découvert que c'était un tiers. Donc on ne va peut-être pas se priver d'un tiers des Français maintenant. Voilà, donc c'est des choses simples. On voyait, on peut faire des très très belles affiches. On a fait une expo sur Ciao Italia et ça a très très bien marché. C'était des très belles expos et les affiches sont magnifiques. Donc moi, je pense que l'affiche, c'est vraiment un exercice très difficile parce que il exige simple, très direct, d'avoir une belle bonne idée, grande. Alors, plein de questions. Il y a Céline qui nous demande comment s'organisent les états généraux de la communication, qui est l'invité, quels en sont les objectifs. Alors,
Ça s'organise donc en union, en lien avec l'union des marques et en lien avec les médias. Alors les médias, les régies médias font partie de la filière, donc en fait c'est la filière et l'union des marques. Donc en fait, on s'est mis d'accord sur trois grandes thématiques. Une première thématique est celle de la consommation. C'est quoi la consommation? Pourquoi cette nervosité autour de la consommation? C'est quoi le juste milieu? Parce qu'on ne va quand même pas arrêter de manger, on ne va quand même pas arrêter de se nourrir correctement, on ne va pas avoir moins d'envie. Parfois, de temps en temps, on a envie de se faire joli. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va définir ces nouvelles logiques de consommation? Après, il y a un autre groupe qui travaille sur la valeur ajoutée. Donc, les problématiques de rémunération se trouvent dans ce groupe. C'est-à-dire comment on dispatche la valeur ajoutée construite par la communication. Et le troisième groupe réfléchit en termes médias. C'est assez passionnant. C'est toutes les réflexions autour de l'enjeu du digital. Comment, vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire la confusion. Moi, j'aime dans la publicité, j'aime bien qu'il y ait marqué publicité. J'aime pas quand on mélange l'éditorialisme et la publicité. Je trouve que ce n'est pas honnête. Bon, ben, c'est des grandes questions qui se posent aujourd'hui, des grandes questions aussi sur ces plateformes internationales, comment on protège aussi la pluralité des médias. C'est des choses extrêmement importantes, et ça, c'est le troisième sujet. Alors, ce sont des groupes qui sont très ouverts, qui sont dirigés par quelqu'un, des agences, quelqu'un des médias, chacun un leadership média, créa, agence et annonceur. Et ensuite, c'est assez ouvert, c'est-à-dire tout le monde peut contribuer à chacun des sujets. Tout ça va nous amener à un grand débat où on va arriver déjà avec certaines conclusions, certains engagements, certaines choses pour faire avancer la com. Et après ce grand débat qui va avoir lieu, je crois, en novembre, hein, plus ou moins, ou fin octobre, novembre. On voulait le faire tous ensemble, mais je pense que ça finira virtuellement. Et ensuite, en janvier-février, il est prévu de sortir des engagements sur chacune des thématiques. Donc voilà comment se passent les états généraux. Alors, vous dites que vous aimez que la publicité s'appelle publicité, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui. Alors, je vais vous lancer sur un sujet qui va vous mettre en forme, c'est les influenceurs. Vous les détestez? Non, je ne déteste pas. Mais j'aime mieux quand c'est marqué qu'ils sont payés. Ah. Je ne déteste pas, comme on a utilisé, nous, dans la pub, plein de gens connus qui on peut considérer que ce sont des influenceurs. Après, je préfère que ce soit clair. Et justement, on a de plus en plus de liens entre la publicité et l'événementiel. On ne sait plus trop si c'est de la pub, si ce n'en est pas. Je prends un exemple, hein, le festival We Love Green, qui a lieu tous les ans dans le bois de Vincennes. C'est quand même très lié à une maison de disques spécifique qui fait la promo de son fonds de catalogue, mais personne n'a compris que c'était de la pub, en fait. Ils essayent d'habiller ça d'un coup de peinture verte. Ça, vous n'aimez pas trop le mélange des genres, comme ça? J'adore pas quand c'est pas clair. Ouais. Je pense que c'est hyper intéressant, l'événementiel, parce que ça touche énormément les gens. Après, il faut assumer qui on est. Ouais. Et ce qu'on fait. Et c'est normal. Quand on fait de la pub, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que moi, quand on me faisait passer sur un France Inter, qui est un tout petit peu parfois anti-pub, j'ai essayé d'expliquer notre métier, etc. Et un beau matin, comme ça, je n'arrivais pas à expliquer notre métier parce que j'étais coupée par les auditeurs qui étaient nerveux sur la pub. Puis j'étais coupée par les questions des journalistes qui étaient nerveux sur la pub. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver là, ils ne vont pas me laisser parler. Du coup, j'ai eu une idée. Je leur ai raconté que je sortais des toilettes. Déjà, tout le monde s'est calmé en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pourquoi est-ce qu'elle parle des toilettes ?» Et j'aurais dit « Je sors des toilettes de France Inter. Et vous, sur la lucarne des toilettes, vous mettez des grands logos France Inter. »
Je lui dis, vous êtes incroyable, vous aimez tellement, tellement votre station que vous la mettez partout, vous mettez le logo partout, vous n'arrêtez pas de nous dire que c'est ça la Dira. Mais moi, je n'en veux pas aux gens qui aiment ce qu'ils font et qui dénoncent. Mais c'est à peu près ça la pub, c'est ce que vous faites. On a une question de Philippe qui demande, est-ce que la pub est prête à une mutation pour aborder la phase post-croissance ? Bah, je pense qu'il y aura, j'espère qu'il y aura de la croissance, hein, parce que sinon on est mal barré. Hein. Je pense qu'il ne faut pas un monde de décroissance, je pense qu'il faut un monde de croissance régularisé, mais pas un monde de décroissance, on va au drame. Hein. C'est la croissance hein, qui a amené une alimentation plus correcte pour plus de grand nombre de gens, c'est la croissance qui permet... une classe moyenne de s'en sortir mieux, c'est la croissance qui a aidé les petits Chinois à être moins pauvres. Donc, moi, c'est pas un gros mot pour moi, la croissance. Après, que la croissance, elle ne soit pas dans n'importe quel sens, qu'on tienne compte des problématiques de la planète, mais bien sûr, qu'on fasse des packaging bien moins encombrants, bien moins... Mais bien sûr, tout ça me paraît bien, mais pas. Justement, je trouve que faut pas se laisser aller aux mots trop radicaux là-dessus, parce que c'est pas vrai. On va arriver à des problèmes. En France, là, si bientôt on n'a plus de croissance, il y aura un problème de salaire. Oui, que la croissance ne soit pas que verticale, c'est tout. Il faut qu'elle soit un peu horizontale, voilà. Bon. Bah, il faut que la croissance, elle s'entoure de... Elle a des obligations. Les gens le savent, hein, ils le demandent aux entreprises. Et ce n'est pas facile, hein, parce que les entreprises, elles sont passées d'une période où tout était gai, où les gens aimaient les choses sucrées, à maintenant... des choses, en fait, ils aiment toujours quand même les choses sucrées. Mais parce ils que le quand disent on pas. Enlève le sucre, ils n'en veulent pas, quoi. Ouais. Donc, il faut trouver l'équilibre. Après, on parle par exemple de l'obésité. Moi, je déteste quand on pense que l'obésité, c'est d'aller chez McDo, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'obésité, c'est. Évidemment qu'il faut apprendre aux gens à bien se nourrir. Évidemment. Ça ne m'empêchera pas d'aller faire un tour chez McDo. Justement, il y a quelqu'un qui demande, je n'ai pas son nom, est-ce que la communication dans un cadre publicitaire peut infléchir les idées politiques dans l'esprit des gens ? Dans un cadre, mais de toute façon, ils font de la pub, nos politiques. Mmh. C'est même les gens qui font le plus de pub, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils nous en veulent à des moments donnés, parce qu'eux n'arrêtent pas, ils font de la... Ils ne font pas toujours de la bonne pub, mais quand vous élisez un président, en gros, c'est sur son discours. Alors, il s'appelle Antoine, la personne qui pose la question, mais je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il veut. Alors, il veut dire quoi, Antoine ? Non, est-ce que la communication dans un cadre publicitaire peut infléchir les idées politiques dans l'esprit des gens ? Est-ce que finalement, la publicité a le pouvoir de faire changer les mentalités ? Bien sûr. On devrait communiquer sur les femmes tout le temps pour faire changer ça. Tous les problèmes que l'on a, bien sûr. Alors, on peut, faut être humble, faut trouver la bonne façon. Vous voyez, on lutte contre les violences conjugales, il y en a toujours. Hein, donc, mais oui, par exemple, les petites filles qui ne font pas assez de sport... Si je fais une campagne qui dure toute l'année, je vous promets que toutes les petites filles de France feront du sport comme il faut. Justement, la manière dont on présente les femmes dans la publicité, c'est quand même très significatif de la société qu'on traverse. Il y a un livre qui existe, tout le monde s'achète, sur les pubs qui seraient impossibles aujourd'hui, tant elles sont sexistes. On a tous connu cette pub avec un homme qui a une pipe et qui dit un pull, une pipe, une femme, voilà, n'importe quoi. Bien sûr. En fait, c'est une loupe sur ce qui se passe dans la société. Quoi, auprès des... Regardez Mad Men, qui est une très bonne série et qui est assez juste comme série historiquement. Oui. C'est un truc de dingue. Quoi. On se dit, ça ne peut pas avoir existé. Mais si, c'était comme ça. C'était alors justement, ça, Mad Men, je conseille sur les fesses des secrétaires et ils trouvaient ça normal. Oui. Je conseille vraiment à tout le monde de regarder Mad Men, qui est sur Amazon Prime, visible toutes les saisons. Voyez ça vraiment, tous les élèves doivent voir Mad Men. Alors on est à Marie qui demande, évidemment, cette question, je m'y attendais. Que pensez-vous du mouvement Balance ton agency ?
Je suis pas emballée. Je suis plus féministe que ça. Je pense que j'ai un trouble en fait. Je trouve que c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie. D'abord, j'étais déjà troublée par Balance ton porc là. C'était pas ce que j'avais envie de dire aux hommes, quoi. Pourtant, on me connaît virulente. Mais moi, j'ai envie que les filles, elles avancent. J'ai envie qu'elles aient des postes clés. J'ai envie qu'elles dirigent. J'ai envie que les hommes s'occupent des enfants. J'ai envie que les congés paternité s'allongent. J'ai envie de tout ça. Après, évidemment, on déteste le harcèlement. On déteste tout ça. Mais ça, c'est encore une vision de la femme qui ne peut pas se défendre, quoi. Donc, ça me... Je suis pas hyper... Enfin, ça me choque un tout petit peu. Et puis alors, quand on revient 10 ans en arrière et qu'on fait un point sur ce qu'ont fait les gens, moi, je vais vous donner une liste de tous les garçons parce que c'était assez commun. Donc, je pense qu'on supprimerait beaucoup des hommes qui existent. Et alors, je pense que c'est une culture. Regardez Mad Men, c'est grotesque, vu aujourd'hui, mais c'était une culture. C'était... Oui, et dont étaient complices les hommes et les femmes. Donc, ce qu'il faut apprendre là, c'est tellement important d'apprendre aux petites filles à pas avoir peur, à pas être complice de ça, à pas se laisser faire, et puis à diriger. Parce que vous voyez, moi je suis une fille de BETC. BETC, ça a toujours été un garçon et une fille. Rémi Babinet. Grande information, c'est un garçon et je suis une fille. Et ça nous a aidés à construire un truc que je trouve équilibré. Alors, on peut avoir des problèmes hein, de harcèlement dans tous les sens. Hein, on a eu plus de problèmes avec des jeunes gens homosexuels qu'avec des femmes. Mais on peut avoir, on a eu ça. Il faut réagir, il faut des règles, il faut tout ça. Mais il faut être très, très clair sur, sur quoi on réagit. Et en tout cas, j'ai envie de balancer personne. Il y a quelque chose qui ressort vraiment ce soir de notre conférence, c'est la nuance. C'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, la nuance. C'est quelque chose qui a disparu, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on demande d'être pour ou contre, mais on ne peut pas être au milieu. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Pour moi, ce qui est important, c'est que on va pas laisser sa vie se faire, se construire avec des réseaux sociaux dont je connais pas les gens, je sais pas qui m'appelle, je ne sais pas qui m'écrit. Voilà. Donc, un jour, j'ai appelé un journal parce qu'il y avait un très mauvais article sur le mécénat de compétences qui expliquait qu'en gros, on gagnait de l'argent avec le mécénat de compétences. Donc, finalement, j'étais assez contente de l'article. Je voulais absolument que le journaliste rencontre mon patron financier parce que lui, il n'était pas d'accord. Donc, chaque fois que je demandais un mécénat de compétences, il me disait « Encore un ?» Donc, je me suis dit « S'il se rencontre, peut-être qu'il va réussir à expliquer à mon financier qu'on gagne de l'argent avec le mécénat de compétences. » Quand on dit des absurdités pareilles, c'est quand même assez grave. Et à l'époque, j'avais appelé et on m'avait dit « Ouais, mais ça fait du buzz. » Je m'en fous, moi, que ça fasse du buzz. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Et la vérité, vous savez, moi, dans mes folies, il y a les droits humains pour les hommes, pour les femmes. Et donc, je suis présidente en France avec Virginie Morgaud, co-présidente de Human Rights Watch, qui est le souci d'énoncer la vérité pour faire avancer le monde. Et donc, moi, le buzz et tout ça, non, ce n'est pas la vérité. La vérité, et moi, je suis pour que les filles, quand elles ont un problème, elles déposent une plainte. Je crois au juridique. Je crois à la plainte. Et donc, je pense qu'il faut qu'on forme nos petites filles pour qu'elles déposent une plainte. Et puis, je vais vous raconter l'histoire de ma petite belle-fille qui est merveilleuse. Un jour, elle m'appelle, elle me dit « Voilà, je ne suis pas contente parce que je viens d'appeler un type pour venir faire des travaux à la maison et il me dit qu'il ne parle qu'aux hommes. Donc, en l'occurrence, il ne va pas venir. » Donc, moi, gentille, je me dis « Bon, il faut calmer le jeu. » Je lui dis « C'est pas grave, tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme ça, c'est pas grave. »
Elle me rappelle un quart d'heure après. Elle avait été beaucoup plus brillante que moi. Elle avait rappelé le mec. Elle lui avait dit « Je vais déposer plainte ». Le type est venu tout de suite. Oui. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien qu'on procède. Si ça ne vous va pas, si ça ne va pas dans la rue, etc., on dépose des plaintes. Mais on ne dépose pas des postes. On dépose des plaintes. Justement, ça va avec ce que vous dites. Vous méfiez du buzz. Est-ce que vous pratiquez une sorte d'éloge de la lenteur? En tout cas, vous avez quand même envie qu'on prenne un peu notre temps aujourd'hui, ce qui n'est plus tout à fait le cas en 2020. En fait, je pense que la lenteur, c'est pas la lenteur que j'aime. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un peu agitée, donc c'est pas la lenteur, mais c'est le vrai temps de travail, oui. Parce qu'en fait, quand on procède profondément, on va tellement plus vite, on gagne tellement de temps. C'est un accélérateur. Et pas, moi, j'ai un mot que je n'aime pas, c'est quand nos clients me disent « c'est urgent ». Je dis « urgent de faire quoi ? De rater un truc ?» ou « urgent de trouver une bonne idée, donc on va attendre qu'elle arrive ». Et mes équipes, parfois, c'est difficile parce qu'elles sont soumises à ce sentiment-là. Donc, on est prêt à présenter des trucs dont on ne sait pas si c'est vraiment exceptionnel ou pas. Il faut du temps, du vrai temps. C'est Maurice Lévy qui m'avait dit « il ne faut jamais confondre l'urgent et l'important ». Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, oui. Je trouve que Maurice Lévy est très bon. Et bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce soir. Merci beaucoup d'être venu, même dans ces circonstances particulières. Le prochain webinaire ISEB Up, le numéro 7, « Comprendre pour réussir », aura lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 19h. Et l'invité sera Maurice Ndaye, partenaire chez Synomia et coprésident de ADTEM. Il interviendra sur le thème « Marketing et innovation ». On espère que vous serez là nombreux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.